Bien bonjour. Alors, c'est reparti pour les petites pépites d'hier. Les petites pépites d'hier, ça a commencé par la livraison d'un colis par la poste. J'avais donc commandé il y a quelque temps, enfin dimanche, j'ai fait une petite radia sur le site de la Redoute. Et ça y est, ça m'a été livré. Et je dois dire, en fait, la fête, quand on reçoit un colis, elle commence la veille. Quand on vous dit votre colis vous sera livré demain. Donc le lendemain, on attend le facteur et puis... Ça y est, il est là. Voilà. J'ai déballé tout ça avec Célestine. J'ai tout ouvert, j'ai tout montré. Ses affaires, les miennes, enfin. C'était Noël, quoi. C'était Noël avant l'heure. Vraiment, très très gai. Un petit plaisir gustatif pour continuer. Célestine est allée chez sa tatie hier. Et donc, comme à notre habitude, depuis que j'ai accouché, on s'est mangé du filet américain. Alors, du filet américain, en fait, c'est un genre de steak tartare pour les Français, mais qui est beaucoup plus haché et qui est mélangé avec différentes épices. Enfin, voilà. Ça... Attendez, je vous montre. Voilà, ça ressemble à ça. Un bon filet américain, donc ça se trouve d'abord chez un petit boucher, hein. Il n'y en a pas du bon partout. Puis surtout, ça se déguste avec un bon pain, une bonne tranche de pain, un petit peu de mayo, et puis une bonne couche de filet américain par-dessus. Et ça, c'est top. Bon, dans les petits bonheurs, ce que je ferais peut-être bien de pas raconter, un petit moment partagé avec Valentin hier. Tout simplement, je lui demande où est, je ne sais pas trop quoi, et il me répond dans ton. Et là, on éclate de rire, voilà. C'est des moments, c'est de la complicité qui. Bah, qui se déguste, en fait, tout simplement. C'est une réponse débile, mais c'est la preuve que on a grandi, mais pas trop quand même. Et que. Qu'on sait toujours rire de bêtes choses comme avant et qu'on est toujours amoureux. Donc voilà, j'ai savouré ce petit Danton. On continue avec de la bouffe. Allez, écoutez ça. Écoutez ça. Regardez ça comme ça mijote. Regardez comme ça fume. Regardez le petit bouillon. Écoutez le petit crispy. Là, c'était top. Des petites cailles, des petits légumes, un peu beaucoup de vin blanc. Enfin. Terrible. Bon, à cause de ça, j'ai pas payé mes factures, hein. Alors, messieurs, mesdames qui attendaient mes paiements, je suis désolée. J'ai pas pu les faire hier, j'ai fait des cailles. Une dernière pépite, pleine de tendresse. Hier, c'est pas moi qui suis allée rechercher Célestine. Et j'aime beaucoup ces moments-là, en fait, parce que quand j'entends que Valentin se gare devant la maison, c'est certain que je vais attendre au-dessus de l'escalier qu'ils arrivent. Voilà, c'est... J'ai mon petit cœur qui bat, j'ai trop hâte de la retrouver, de savoir comment s'est passée sa journée. Voilà, c'est quelques secondes qui me paraissent une éternité, mais que je savoure à chaque fois. Cette hâte de la retrouver. Et c'est quelque chose que je vis pas quand je vais la chercher moi-même, en fait. Donc voilà, j'en profite deux fois plus quand c'est lui qui va. Bon, et vous? C'était quoi vos pépites? Parce que bon, j'ai reçu plein de super messages hier. Ça m'a fait aussi super plaisir. Ça a fait partie des pépites de la journée, je dois le dire. Et maintenant, j'attends plus qu'une chose, c'est que vous aussi, vous me racontiez ce qui se passe dans vos petites vies. Je suis certaine, il y a plein de jolies choses qui s'y passent. À demain!